et à renforcer la mobilisation. Comme vous le savez, militants, le code électoral est adapté. Le code électoral qui a fait rouler beaucoup d'âmes et de salines. Le code est enfin adapté par l'écrasante majorité des députés. Plus de 90 députés sur 114 ont adopté ce code. Qui peut dire que cela ne représente pas le peuple? Je crois qu'il faut être aveugle pour le dire, pour ne pas comprendre. Donc, le peuple a adopté et la constitution n'a pas été violée. Nulle part, ceux qui vous disent que la constitution a été violée, ils ne savent pas lire entre les lignes. Ils disent que le vote du citoyen n'est pas respecté. Moi, nous pensons que nous sommes tous citoyens de ce pays. Il n'y a pas de citoyen supérieur ni inférieur. Et il n'y a pas de citoyen supérieur à un militant de parti politique. Un militant de parti politique est aussi citoyen de ce pays. Donc, le vote du citoyen est bel et bien respecté à la base. Il y a quelqu'un qui a posé la question s'il y a un citoyen dans le quartier qui n'est pas dans un parti politique, il n'est nulle part, il veut être chef du quartier. Mais la loi est claire en matière. La loi dit qu'il peut constituer des listes indépendantes. Et aller sur le terrain, personne ne les empêche. Mais ils ne peuvent pas utiliser un boulet. C'est une manière de rabattre les partis politiques. C'est une manière de gommer les partis politiques sur le terrain. Mais tous ceux qui savent qu'ils peuvent mobiliser, qu'ils se préparent et qu'on descend ensemble à la ligne, on verra qui va gagner et qui va perdre. À partir du moment où les listes indépendantes sont permises, donc le vote du citoyen est respecté. Personne n'est empêché. Parce que c'est les listes qui présentent de toutes les façons. Donc, militants, mobilisons-nous tous dans nos quartiers, dans les districts. Nous sommes sûrs que l'RPG est un parti mobilisé. Le doublons d'efforts, car c'est au niveau des quartiers que nous allons rafler la majorité. Ils ajoutent aussi que la démocratie est bafouée. Je dis que c'est mal connaître la définition de la démocratie. Nulle part la démocratie n'a été bafouée, car la démocratie, comme son nom l'a dit, démos kratos, le pouvoir du peuple. Si jusqu'à la base, les gens peuvent se désigner, voter, je crois qu'il n'y a pas plus démocratique que ça. Regardez dans la sous-région. Vous ne verrez jamais un tel exemple que la Guinée de Ngolé. C'était l'exemple de la Guinée de Ngolé et les autres vont s'inspirer de ça. Donc, ils disent que les citoyens n'ont pas été respectés par les députés. Mais les députés sont citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Le jour où nous ne voudrons pas de nos députés, je pense que c'est très clair, nous allons les déposer par voie électorale.
c'est pas dans la rue que nous allons découvrir nos représentants. C'est par voie électorale. Seul le peuple donne le pouvoir maintenant en République de Guinée. Donc la rue